Bonjour les amis. Je parle d'un phénomène aujourd'hui, un gaucher à la Maradona. Après Diego Maradona, c'est Edmundo Nunes. Edmundo Nunes, tu peux le mettre avec des grands joueurs et il est cash. C'est-à-dire, si tu mets avec Neymar, on ne voit pas Neymar. Si tu mets avec Mbappé, on ne voit pas Mbappé. Si tu mets avec n'importe quel joueur au monde, on ne le voit pas. Il va très vite. La vitesse, les accélérations, les appuis, les dribbles. Et il est très très fort. Et en plus, ce joueur-là, il va jouer à l'avant, qui peut dribbler. Il a la qualité technique, la vision de jeu. Il est impressionnant avec sa vitesse. Athlétique, il a le coffre, Edmundo Nunes. Pour moi, on attend la Coupe du Monde avec la sélection d'Algérie. Edmundo Nunes, il est au-dessus de tout le monde. On ne parle pas de joueur qui est lent, qui fait machin, qui fait des passes. Parce que si tu parles de Ben Arfa, quand il accélère, il peut dribbler. Mais après, Ben Arfa, il s'arrête pour crocher. Il y a beaucoup de joueurs qui s'arrêtent pour crocher. Mais lui, quand il va à l'avant. En plus de ça, ce que j'aime bien sur Edmundo Nunes, il ne fait pas de cadeaux. Quand il accélère, c'est pour marquer. Pour moi, Edmundo Nunes, maintenant, dans l'Europe, c'est le meilleur gaucher en Europe. Il est au-dessus de tout le monde. Il ne faut pas parler ça. Après, le respect de Mahrez, parce que Mahrez, il est gaucher. Le grand frère Riyad Mahrez, il est gaucher. Je respecte Mahrez, et après Mahrez, c'est Edmundo Nunes. Même si ce n'est pas le même poste. Voilà. Vive le football algérien, et vive les prodiges, vive les accélérations, et vive le football, et voilà.